Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue sur ce live en partenariat avec Brico Marché. Alors, je vais attendre que tout le monde se connecte. N'hésitez surtout pas à m'indiquer que l'image est bonne et que le son est bon. Je vais patienter surtout. Alors, bonjour à tous. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous me recevez correctement. Bonjour. Bonjour à tous. Alors dites-moi si vous me recevez, si le son est bon, si l'image est bonne. Et puis je démarrerai ce live. Je vous écoute, il n'y a pas de souci. Bonjour, bonjour. Alors j'attends que vous me répondez. En général, il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où je reçois les commentaires. Voilà, tout est bon, parfait, super. Eh bien écoutez, bonjour à tous déjà. Bienvenue sur ce live en partenariat avec Brico Marché. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Seb Bricole, je suis un passionné de bricolage autodidacte, un peu touche à tout. Touche à tout, que ce soit mécanique, électricité, plomberie, voilà, un peu assez varié. D'ailleurs, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube où je partage des conseils et des tutos en bricolage un petit peu dans tous les domaines. Donc ça, pour ça, je t'invite à venir t'abonner. Je suis aussi présent sur Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà, donc alors aujourd'hui, eh bien écoutez, ça me fait énormément plaisir de pouvoir donc partager ce petit moment parmi vous. Donc je vais vous parler sur ce live de l'étanchéité de la salle de bain. Et oui, parce que une salle de bain, c'est une pièce qui est humide. Et qui dit humidité, dit risque de problème, risque de désordre. Donc c'est-à-dire quand on dit désordre, c'est-à-dire qu'on peut avoir des infiltrations d'eau dues à l'humidité, et du coup ça peut venir voilà, abîmer votre support. Alors surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr j'avais oublié de le dire, venez dans les commentaires, vous m'indiquez si vous avez des questions, voilà, des petits problèmes que vous rencontrez chez vous, j'essaierai d'y répondre tout au long du live, mais également éventuellement à la fin, je prendrai un peu de temps aussi pour relire vos commentaires. Voilà. Alors, comme je disais, donc une salle de bain, c'est une pièce humide et il va falloir essayer justement, eh bien, de prendre toutes les précautions possibles pour éviter, voilà, qu'on vienne déstructurer, eh bien, les supports, que ce soit les murs, le sol. Voilà. Alors, pour ça, moi, je vais orienter mon discours sur de la rénovation. Voilà, parce que bien entendu, on pourrait parler d'étanchéité. Voilà, c'est un domaine qui est assez vaste. Donc, moi, bien entendu, ben, je vais choisir le milieu de la rénovation parce que, voilà, on est toujours en confinement, on va bientôt sortir du confinement. Mais malgré tout, ça fait partie des occupations. Si on aime un petit peu bricoler, eh bien, voilà, on peut du coup se dire, allez, on va aménager une salle de bain, on va faire quelque chose de bien. Et donc, du coup, pour faire quelque chose de bien, eh bien, il faut avoir un minimum de conseils. Et je vais vous donner quelques petites astuces, du coup, qui vont vous permettre de réaliser, l'opération d'étanchéité de votre salle de bain de manière efficace. Voilà. Alors, dans un premier temps, déjà, il faut s'intéresser. Alors, si on part bien entendu d'une douche, voilà, une douche, c'est une pièce, c'est un local qui est ou qui reçoit de l'eau, des projections d'eau. Voilà. Et donc, les infiltrations, bien entendu, peuvent être fréquentes justement dans les douches et les douches ou même une baignoire. Hein, et ça, voilà, dès l'instant où l'eau est à proximité et qui a tendance à venir sur les murs et à ruisseler, voilà. Donc là, il peut y avoir des problèmes. Alors, donc déjà la nature du support, vos murs, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont en parpaing, en briques? Voilà. Donc déjà, si vos murs existants sont de ce type-là et que vous souhaitez voilà, créer une salle de bain, enfin une douche ou une baignoire à cet endroit, eh bien il va falloir venir mettre ce que l'on appelle des panneaux de construction. Alors les panneaux de construction, vous allez les retrouver chez votre magasin Brico Marché. Alors de mémoire, le nom, ça s'appelle des Q-boards. Voilà, la lettre Q un tiré et board en anglais, BORD. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce que c'est le panneau de construction? C'est du polystyrène extrudé. Alors j'ai pris un modèle. Alors c'est pas un panneau de construction, ça c'est juste du polystyrène extrudé pour vous montrer, parce que le polystyrène, il y en a plusieurs. Il y a l'expansé et l'extrudé. L'expansé, c'est celui qu'on peut retrouver dans les emballages où ça fait des petites boulettes. Celui-là, c'est l'extrudé, il est super costaud, voilà. Et donc ces panneaux Q-board, donc ces panneaux de construction, en fait, c'est ceux du polystyrène extrudé où sur les deux faces, on a du ciment plastifié
renforcé avec de la fibre de verre. Donc en fait, c'est un panneau de construction qu'on peut monter des murs avec ça. Et il y a différents types d'épaisseur. Donc en fonction des fois de l'encombrement que vous, si jamais vous voulez pas perdre beaucoup au niveau de votre encombrement pour créer votre douche, eh bien il existe de 4, 6, 8 mm d'épaisseur. Donc en fait, ce panneau-là, vous venez directement le, on va dire, le coller avec de la colle à carrelage sur votre mur existant. Voilà. Donc le mur existant, bien entendu, il faut qu'il soit dépoussiéré. À la limite, vous pouvez y appliquer un primaire d'accroche pour être sûr derrière que la colle à carrelage va adhérer. Au moins, vous êtes tranquille. Et du coup, vous venez mettre votre panneau de construction sur votre mur. Vous venez les empiler les uns à côté les autres. Du coup, pour faire votre mur étanche, parce que bien entendu, ce type de panneau-là, c'est super étanche. Après, la jonction entre les panneaux, parce que bien entendu, entre les panneaux, vous allez me dire, oui, mais l'eau, elle peut s'infiltrer entre deux panneaux. Oui, ben alors en fait, justement, entre deux panneaux, on va venir appliquer ce style de bande-là. C'est une bande renforcée avec, au milieu, là, on a une bande plastifiée. Et justement, cette bande-là, on va venir la coller avec une colle spéciale, une colle étanche. Qui est donc dans le même rayon que les panneaux de construction en l'occurrence. Et du coup, vous allez traiter tous vos points singuliers, c'est-à-dire la jonction entre les plaques, les angles de votre douche, vous allez le traiter avec ça. Et une fois que c'est sec, que ça sera sec, après, eh bien, il n'y a plus qu'à venir caroller par-dessus. Voilà. Donc après, colle à carrelage et vous venez caroller. Au moins en faisant toutes ces étapes-là, vous êtes certain que l'étanchéité de votre mur sera parfait, voilà. Parce que si ça se trouve derrière, je sais pas, moi j'ai une bêtise. Vous avez du placo, mais le placo, c'est un placo complètement standard. Et si vous mettez votre carrelage, parce que ça, je l'ai déjà vu, des gens qui carrelent directement sur leur placo. Et du coup, eh bien après, le placo qui est derrière, si les joints des carrelages ne sont pas bien faits, le placo derrière va absorber l'humidité et du coup, ça va gondoler, ça va faire quelque chose, voilà, ça va traverser et puis ça va complètement, entre guillemets, pourrir le mur. Voilà. Donc ça, il faut faire très très attention. Donc là, c'était les panneaux de construction. Voilà. Ça, c'est très très important. Et après, alors pour assurer encore plus le coup. Au niveau du carrelage, des joints des carrelages, moi je vous invite à faire des joints en résine époxy. Voilà. Au moins, là vous assurez le coup en termes d'étanchéité, il n'y aura plus aucun problème. Alors, le petit inconvénient de la résine époxy, c'est qu'au niveau de la durée d'utilisation, c'est-à-dire quand vous le malaxez, c'est en fait, qu'est-ce que c'est la résine époxy? C'est un pot tout prêt avec de la résine dans lequel vous venez ajouter un durcisseur. Vous allez le malaxer et après vous allez venir. Il y a bien sûr, il y a tous les types de coloris hein, pour les joints. Il y a la, voilà. Donc après, ça c'est hyper varié. Donc après, avec une taloche, vous venez remplir tous vos joints et après, en séchant, ça devient dur comme de la pierre et étanche à 100%. Voilà. Donc ça c'est vraiment le top. Par contre, comme je disais, je crois que de mémoire, il faut c'est 1 heure chrono. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez mélangé votre seau, ben voilà, il faut envoyer, hein, faut pas traîner. Et après, il faut venir le faire mousser avec une éponge. Pour que du coup le joint bien le lisser et après tout bien rincer. Et là au moins on est au top niveau étanchéité, on ne peut pas faire mieux, c'est le top. Voilà. Alors après, bien entendu, bon, ça c'était les panneaux de construction. Maintenant, on peut très bien se dire, ben oui, mais on a du placo hydro, ça existe. Oui, bien sûr. En fait, vous pouvez très bien faire vos murs de votre salle de bain. D'ailleurs, c'est pas que c'est recommandé, c'est obligatoire dans une salle de bain. Tous les murs doivent être en placo hydro. Et le placo hydro, comment on le reconnaît? C'est un placo qui est de couleur verte. Voilà. Le placo, c'est des feuilles de plâtre avec le, donc c'est du plâtre solide, avec deux petits films en carton qui recouvrent. En fait, ce sont des, voilà. Ça fait 13 mm et en 13 ou en 25 d'épaisseur. Voilà. Donc, c'était pour la petite parenthèse, pour essayer d'avoir un langage un petit peu, on va dire, accessible à tous. Voilà. Après, ouais, très bien. Il y a des parties, il y a des professionnels qui peuvent regarder le lag. Il n'y a pas de souci. Il en faut pour tout le monde, voilà. Alors, donc le placo hydro, bien entendu, on peut venir caroller dessus, mais avant, on peut pas caroller directement pareil. Même que ce soit du placo hydro, il faut venir le traiter. Et pour ça, pour le traiter, on va utiliser ce que l'on appelle un spec, c'est-à-dire un système de protection à l'eau sous carrelage. C'est ça que ça veut dire. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins. Enfin, c'est comme de la peinture, mais c'est pas de la peinture. Ça s'applique comme de la peinture au rouleau, voilà.
et ça va créer un film d'étanchéité. Ça, une fois sec, ça fait comme un film en caoutchouc. Voilà. Et ça fait une membrane. Et sur cette membrane-là, après, vous allez venir appliquer un primaire d'accroche et après, vous allez pouvoir venir caroler. Alors, pareil, sur ce produit, ce spec-là, eh bien, pareil, avant, on va dire, dans les angles, il va falloir toujours pareil, utiliser ce type de bande pour s'assurer que l'étanchéité dans tous les points singuliers, c'est-à-dire les angles, les jonctions entre plaques de placo, ben, seront super étanches. Voilà. Donc, et du coup, après, on passe ce spec et au moins, on est sûr que ben, l'étanchéité, elle est faite et on n'aura pas de problème. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'appliquer deux couches de spec. Comme ça, on a une épaisseur qui est suffisamment importante pour du coup assurer l'étanchéité dans le temps. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, voilà. Donc, ça, j'ai fait un petit peu tout le tour. On a parlé donc pour un mur, des murs qui étaient donc en parpaing, donc avec des panneaux de construction. Après, on a parlé avec du placo, toujours plein du placo hydro et en y appliquant un spec dessus pour assurer l'étanchéité. Si jamais les joints de carrelage sont pas très bien faits, mais bon, avec de la résine époxy en général, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous partez avec du joint traditionnel, ça se fait aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins vous avez appliqué votre spec derrière, au moins vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de fuite. Alors après, bien entendu, on a ce que l'on appelle aussi, eh bien, les joints silicone. Oui, les joints silicone, ça, ben voilà, c'est pareil. Les joints silicone, c'est pour pouvoir traiter les zones de jonction, admettons, entre un mur et un bac à douche, entre un mur et une vasque. Voilà, une vasque, un plan de travail, voilà, pour éviter que l'eau elle passe derrière. Donc là, pareil, silicone, bon, complètement standard. Bon, la marque, il y a toutes les marques qui peuvent exister. Donc ça, en l'occurrence, Bricomarché, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas faire un joint de silicone, parce que moi, bien entendu, là, je suis dans une salle de bain, tout est déjà réalisé. Mais je vais vous montrer comment réussir un joint de silicone, on va dire, de manière virtuelle. Alors, je vais positionner mon écran comme ça, vous allez pouvoir voir. Ici, c'est ma. Alors, je vais me cligner comme ça. Ici, c'est mon plan de vasque. Et ici, c'est mon mur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai au préalable disposé deux scotchs de masquage. Alors, j'ai pris du bleu, ça aurait très bien pu être du blanc. Voilà, la couleur, pas d'importance. Donc, le but, c'est de créer une protection entre le mur et la vasque de manière à laisser le champ libre au silicone. Qui est ici, voilà. Donc c'est histoire. En fait, pourquoi on met des scotch? Eh bien, c'est tout simplement pour pas en mettre de partout, voilà. Après, vous prenez votre cartouche de silicone, donc avec le pistolet. Donc là, je l'ai pas mis, hein. Bien entendu, on va faire une simulation, comme je disais. Donc vous allez venir appliquer votre joint de silicone dans l'espace ici, jusque là, faire un boudin. Après, vous allez prendre un petit atomiseur. Vous savez, c'est comme un produit du, voilà, quand vous nettoyez les vitres ou quoi, là, c'est un atomiseur. À l'intérieur, vous allez mettre de l'eau avec du liquide vaisselle. Voilà, très important. Vous allez venir asperger sur le boudin de votre silicone. Et après, vous allez prendre votre doigt et vous venir asperger votre doigt de votre liquide vaisselle avec de l'eau. Voilà. Et après, vous allez venir étaler sur votre joint de silicone ici. Dans un premier temps, en fait, le fait de passer le doigt comme ça, on peut très bien dire après, on laisse comme ça, mais du moins, le fait de passer le doigt, ça va permettre au silicone de venir s'enfoncer dans l'empreinte. Après, deuxième étape, sans attendre, vous prenez votre carte de Bricomarché. Alors, carte Bricomarché ou carte de crédit, carte de fidélité, et vous allez venir la passer. Alors, ce qui est pratique sur ce type de carte, c'est qu'en fait, sur les bords ici, on a un arrondi. Et cet arrondi, c'est parfait pour faire des joints de silicone. Donc ça, c'est la petite astuce. Et en fait, vous allez venir racler comme ceci et créer donc votre joint de silicone parfait. Voilà. Alors ça, c'était la première astuce. Maintenant, si vous voulez, on peut faire autrement. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui font cette opération. Donc en fait, si vous avez une cartouche de vieux silicone qui vous reste, alors je vais tourner la caméra. On va comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. C'est quand même toujours mieux de se mettre comme ça. Donc en fait, avec une vieille cartouche de silicone, vous allez donc en fait voilà, là il y a le bout avec la canule qui est ici, et en fait sur la partie ici, donc vu que le tampon il est arrivé au bout, là ici au bout c'est souple.
Donc, ce qu'il y a de bien avec cette technique-là, c'est que vous allez pincer le bout de votre cartouche, comme ça, et vous allez venir racler votre joint silicone. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que le fait de pincer la cartouche, vous créez un arrondi. Donc, l'arrondi, ça va être l'arrondi de votre joint silicone. Donc, vous allez le racler. Et en même temps, le surplus de silicone va rentrer dans la cartouche. Au moins, vous n'en mettez pas partout. Et ça, c'est une très bonne astuce. Moi, j'ai déjà testé et ça marche plutôt pas mal. Donc, après, bien entendu, il y a différentes techniques pour faire des joints silicone. Il existe des petites cales spécifiques aussi pour racler, pour faire les choses propres. Mais voilà, quand on va dire qu'avec pas grand-chose, on peut arriver très bien à s'en sortir pour pas très cher. Voilà. Donc, ça, c'était la petite astuce. Voilà. Bah, écoutez. Je pense vous avoir dit à peu près tout concernant l'étanchéité. Alors, on va dire à peu près tout, c'est un grand mot, mais du moins vous avoir donné quelques informations pour on va dire, vous en sortir et du moins pour savoir ce qu'il faut faire pour réaliser une étanchéité de salle de bain. Voilà. Alors, écoutez, je vais commencer, je vais regarder un petit peu donc tous les commentaires que vous m'avez laissés. Et si jamais vous avez des questions, alors je vais regarder. Bonjour, bonjour. Oui, donc ça c'était le début. Ça résonne un peu fort. Tac, 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 il y a le son. Ok, c'est bon. Okay. Bonjour. Alors, j'avance. Ok. Bonjour. Je peux mettre des panneaux comme ça dans pièce de maman. Oula, alors j'ai pas bien compris. Carole, je suis désolé, j'ai pas bien compris votre message. Même avec ce primaire, tu peux te doucher. C'est très résistant. Je suis resté un an. Ben oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Le spec que vous allez mettre sur le mur, ça crée une membrane étanche. En fait, ça crée, si je schématise, ça va créer comme un liner. Voilà. C'est ça. Ça crée un liner. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez l'appliquer au rouleau et en séchant, ça fait un petit liner. Voilà. Comme dans une piscine. Et donc l'étanchéité, elle est là. Et après, c'est sur ce liner-là que vous allez venir après, entre guillemets, liner, pour que, voilà, vous compreniez bien. C'est sur ce produit-là, après, que vous allez venir caroler et faire l'étanchéité. Oui, il y a des lisseurs, je suis d'accord, là, j'en ai parlé, des lisseurs, des cales à lisser pour lisser les joints, avec différents arrondis, justement, en fonction, ben, de la forme qu'on veut y donner. Donc, voilà, après. Il en faut pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Voilà, ça a un certain prix aussi. On en a, il n'y a pas de souci. Vous allez à Bricomarché, vous allez retrouver ces fameuses cales, il n'y a pas de problème. Donc après, bien entendu, ben, la carte de fidélité Bricomarché, elle marche aussi. Bon, après, il faudra bien la nettoyer, hein, pour qu'elle puisse bien passer à la caisse, mais voilà, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, voilà, ben, écoutez, ça m'a fait énormément plaisir, encore une fois, de passer ce moment avec vous. Alors n'hésitez pas à venir liker la page Facebook de Bricomarché et liker aussi ben, ce live pour voilà pour me remercier et puis pour me motiver pour venir poster de nouveaux lives ben, toutes les semaines, c'est-à-dire tous les mercredis à partir de 17h30. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas aussi si vous restez un petit peu de temps, ben, vous passez sur ma chaîne YouTube, vous abonnez, vous venez voir les petits tutos aussi en musique que je peux vous laisser. Et puis voilà, ben, écoutez, passez une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!